Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve à la conquête du trésor, à la conquête d'une nouvelle énigme. Est-ce que le son est bien réglé? Ouais, c'est bon, le son est bien réglé. Donc content de vous retrouver, encore une fois merci à tous pour vos commentaires, toujours le matin, hein, donc pour ça que je bug, vos commentaires dans la précédente vidéo. Merci encore une fois, il y en a eu des vraiment très touchants qui m'ont fait extrêmement plaisir à lire. Et j'ai eu 6 minutes de retard, donc c'était incroyable. J'ai fait l'enfoiré. Et avant d'aller plus loin, je voulais. Je tousse encore. C'est revenu. Le truc était parti, vous m'avez dit, ah, ça y est, il tousse plus, et c'est revenu. Non, je voulais vous dire que là, pendant une semaine, il y a ma mère chez moi. Elle est arrivée hier. Mais normalement. Attendez, je vous dirai après. Ah, ok, c'est tout. J'augmente le son pour ça. Non, mais je pense qu'il y aura un truc après. Ouais, il y a ma mère pendant une semaine chez moi, mais ça n'empêchera pas qu'il y aura les vidéos. Ok. Il se met coincé, on dirait. Oh non, 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 non. D'une façon ou d'une autre, on va y arriver. On va soulever ensemble, ok? Ok. Ok. Ouais, pour tous. Pense à cet or qui nous attend. Ouais, pour l'instant, je pense sur toi, mon dos. Merde. Waouh, ça sent l'énigme de folie. Wow. Bon, je crois qu'une nouvelle épreuve nous attend. Ah, mais si, on dirait bien. Déjà, on a des indications, on dirait des constellations au plafond. On a des indications, je pense, avec la lumière. Et... Ouais, donc il y aura ma mère pendant une semaine, donc il n'y aura pas de problème, je ferai les épisodes toujours le matin, je vous les mettrai toujours à 19h sans souci. Et il y aura peut-être... Parce que j'avais prévu de faire quelques vidéos délire, bah avec saucisse et tout ça. Peut-être que là, ça sera peut-être repoussé, il y aura que du Uncharted toute la semaine, alors que d'habitude, j'essayais de faire un peu plus d'autres choses. Mais je tenais à vous le dire, voilà. Bon, voyons ce que ça fait. Attends. Faire tourner, déplacer. Ok. Ok, j'ai compris. Attends. Symboles de sphère ne correspondent pas à ceux dans la lumière. Ça fait tourner les symboles. Ouais, c'est mieux. Je voulais faire tourner celui de gauche, moi. Attends. Vas-y. Je sens. Que je vais. Bah. Y compris. Bon. Y compris. Pour que ça tourne, il faut le mettre sur un mécanisme comme ça. Et là, ça va tourner à ce moment-là. Ok. Et c'est vachement palpitant. Si je reste. Ok. Nous avons une boule où il n'y a rien comme indication dessus. C'est vachement cool. Bah du coup, on va faire comme ça. Et là, il me faut le M. Mais il n'y a pas le M dessus, si? Ah si, il y a le M, voilà. Maintenant, je le fais tourner. Et par contre, ça fait également tourner les autres, j'ai compris. Un truc. Mais il n'y a qu'une lumière. Parce que je pense que si je fais tourner celui du bas, ça fait également tourner celui du haut. On va voir comment ça se présente. Ouais. Ok. Tout à fait. Ah, il y a deux lumières, donc celui-ci, il faudrait peut-être qu'il soit autrement. Ah, j'ai compris. Faut me laisser le temps. Parce que il a un côté sombre. Allez! Et un côté lumineux. Cette bouboule là. Là, ça bougera pas. Non! Mais bon. Pourquoi? Ah ouais, non, non, je me suis gouré dans le truc. Désolé. Donc celui-là, on va le faire tourner. Va falloir que je refasse tourner l'autre. Et là, ça sera plutôt... Ouais. Comme ça, là, c'est parfait. On va remettre le M. Désolé, ça va mettre un peu de temps. Et voilà. Là, normalement, c'est bon. Pour la partie basse. Ouais. Parce
ce que c'est? Oh, regarde. Les statues, les capitaines pirates. Il y a Bonnie, Baldridge, Albazra et... Oh, je me rappelle plus du nom de celui-là. Ok. Attendez, je vais aller voir. Qui était ce Albazra? Oh, c'était un Mogol, l'un des soldats du Gunsway. Et qu'est-ce qu'il fait aux côtés d'Avril? L'histoire raconte qu'on l'emmenait pour être exécuté. Et il s'est libéré pendant l'attaque et a fait sauter la Sainte Barbe du Gunsway. Oh, donc il est reconnaissant, on verra. Finissons ce qu'on a commencé. Type, là. C'est moi ou il a demandé et l'autre type là et il n'a pas répondu? Ok. J'aime quand on me répond pas. On peut faire diminuer. Et on est reparti. Donc les ceux du bas c'est bon. Maintenant là ça va bouger ceux du haut. Ouais c'est ça. Donc attendez, on va faire. Déjà. On tourne deux symboles en même temps. Ouais. Ouais. Pardon pour mon nez comme d'habitude. Ah, je fais tourner ce duo en même temps. Ok. C'est pas la bonne diagonale. Là, c'est bon. Bon, pour l'instant, c'est pas compliqué, mais je redoute celle d'après. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Din Malik et Christopher Condant. 8 sur 12. Ok. Next. Donc celui-là, faut que je le fasse tourner. Là, je peux le faire tourner, celui-ci aussi. Celui-là, il est bon. Et regarde, on est... les symboles sur cet anneau tournent en permanence. C'est tordu. Ce Bin Malik, on dirait un mot. Ah ouais, ça en est un. Est-il aussi loin de la plaine des barbaresques? Comme nous. Il va ok. La attends. J'ai compris, parce qu'en fait... lorsque je vais le déplacer, ça va tourner. Ah mais là, ça tourne de trop. Mince. Là, ça sera bon, vous pensez? Ok. Il faut que je regarde jusqu'où ils vont quand ils sont dans la lumière. Laissez mon cerveau cogiter. Donc si je fais ça... ouais non, c'est pas ça. Peut-être un de plus vers la droite. Ouais, c'est ça. Non, j'appuie une fois de trop. C'est bon. Le reste de l'équipage. Richard Want, Edward Blunt et Thomas Thieu. Sam, regarde. Je crois qu'on sait où on va. Oh, attends un peu, ça ne fait que 11 pirates. Ouais. Notre pirate vedette. C'est bizarre ça. Donc en fait, ça servait pas vraiment d'énigme les trucs en haut. Mais ça fait des... ah ouais, regardez. Ça fait des puits de lumière pour les statues. C'est marrant ça. Ce qui explique pourquoi elles sont colorées, elles sont éclairées. Ouh, je pensais qu'on allait un peu plus galérer, mais bon, c'est pas encore fini l'énigme, j'imagine, vu qu'il manque un pirate. Est-ce que je tire ce levier? Wow. Ok, où est-ce qu'il nous emmène ce truc? Putain de merde. Et voilà la statue d'Avril qui manquait.
Je vais te dire, je commence vraiment à penser que notre ami était du genre légèrement narcissique. Non, tu crois? Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'il nous a réservé ensuite. C'est vrai. Ah, le temps s'est gâté. Ouh, ça fait une sacrée chute. Un peu, ouais. Ouais, on va grimper. Ouais, on sent qu'une tempête va se préparer. Alors, je diminue encore un peu comme ça pour vous. Lui, il m'a pas attendu. Enfoiré. Alors, attends, par rapport à tes autres aventures, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Et vas-y, Franco, hein, je veux savoir. On en reparlera quand on en aura fini. Ok. Pour le moment, je sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle aventure, mais la faire avec vous, ça me plaît beaucoup. C'est vrai que j'avais fait les autres il y a quand même quelques années maintenant. Mais pour le moment, ça a pas cassé. On voit de très beaux paysages. Allez, on descend et ça me plaît. Les énigmes sont un peu plus simples que dans les précédents par contre. Le bateau est en bas. Après vous, capitaine. Ah ouais, donc ça y est, on a rejoint... Ah ouais, on était là. Donc on a rejoint notre bateau, vu que je disais dans l'épisode d'avant. Comment on va faire pour retrouver notre bateau? Et ben voilà, tout s'explique. Ouais, ça s'est assombri d'un coup, là. Oula, ouais, c'est bon. Oh non, je veux faire pareil. Mince. Il ouais, faut que je remonte du coup tout là-haut et tout pour refaire le saut. Mince. Le gros enfant. Il veut faire le même saut. Bon. On va aller sur la droite, c'est ça okay. Qu'il était. L'île avec la monstrueuse statue d'Avry est à droite. Ouais. C'est tellement exaltant, j'en ai littéralement les mains qui tremblent. Ouais, je connais cette sensation. Moins que ce soit à cause du manque de nicotine. Oula, regardez, vous avez vu le nuage, comment il est sombre en face. Ça annonce rien de bon. Ouais, faut que j'aille à l'inter... Attendez. Je sais plus où aller. Je suis tellement pas réveillé que mon sens de l'orientation est complètement paumé, mais... Mince. Wait. Ok. Je suis paumé. Non mais on a dû la passer parce que quand on avait la vue... Non. Si. Non. C'est là, je vous l'avais dit. En fait on a fait un tour entier et tout. Non mais c'est... Attends, non, c'est une blague. On a fait un tour entier. Mince. Attends la honte. A tout de suite. C'est bon, j'ai trouvé une autre pirate. En fait, ouais, je sais pas, il a dit à droite, je suis allé à droite. En plus, je pensais que c'était à droite, mais il est juste là. Et je vais plus vite en marche arrière qu'en avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau pour que je parte à l'autre bout de l'île, quoi, alors que je savais très bien qu'il n'y avait pas d'autre endroit comme ça. N'importe quoi. Ouais, on sent qu'il y a de l'écume, que les vagues ont changé. Pardon. On dirait qu'il notre... a une lunette d'approche, il regarde pas vraiment dedans. Peut-être qu'il veut qu'on regarde dedans. Ouais, il y a un truc sur son épaule. Pour regarder. Et donc du coup, c'est l'endroit où j'imaginais qu'il fallait faire tomber la caisse, vous vous souvenez? Je disais là, il faut faire tomber une caisse pour faire un trou et rentrer dedans. Et en fait, non. C'est l'endroit par lequel est sortie la statue. C'est cool. Donc il va falloir que je grimpe sur toi, monsieur le pirate. Et nous allons regarder dedans. Classe le petit croquis. Ouais, c'est exactement ça. Attendez, je vais augmenter le son parce qu'ils vont peut-être raconter leur story. J'ai toujours rêvé de faire le... Allez, Sam. Viens. Le perroquet de pirate. Donc on va faire le perroquet sur son épaule. Ok. Allez, go. Alors, capitaine, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Là.
Alors, y a une grosse île en forme de crâne ou quoi? Une grosse île. Mais pas de crâne. C'est forcément là. Libertalia. C'est bien optimiste, étant donné la situation. Tu sais, y a que toi et moi ici. T'as le droit de ressentir, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'enthousiasme. Ouais, bah je serai enthousiaste quand on sera débarrassé d'Alcazar. Allez. Ok. Quoi? J'ai juste dit ok. Non. T'es ok ne veulent jamais dire ok. En général, c'est même carrément l'inverse. C'est notre ami Rafe. Qui tu veux que ce soit? Oh merde. Ah, c'est bête, on a fait tout le travail, le mec il a juste à venir, il va sur l'épaule de la statue, et c'est fait quoi. Faut que je me barre de cette plage. Sam! Sam, tu m'entends? Peut-être plus haut le long du rivage. Ah là, ça s'est dégradé, mais super rapidement le temps. Oh, je peux aller par là ou sur la droite. Ah, ça s'est passé. Ça s'est passé vite, on a même pas fait de gameplay du coup. Pour la fuite en bateau et tout. Je pense pas que ça soit par là. Et du coup on se retrouve encore une fois sans notre frère. Ouais, je pense que c'est par là, regardez, on voit des plateformes qu'on peut escalader. Là, on reconnaît quand même bien le Nathan Drake. Sa merde. Sa qui est complètement dans la mouise tout seul et en train de galérer. Qui va faire que de se casser la tronche et tout, la figure. C'est pas mal fait l'effet de météo, hein. Attendez, je vais juste voir les vagues si elles sont déchaînées. Non, ça va, les vagues, elles sont cool. Sam, t'es là? Enfin, j'irai pas dedans, mais... ça va. Enfin, en mer, elles étaient quand même plus déchaînées sur la cinématique. Ouais. Et la forme des rochers, comme celui qu'on voit au loin, qui est pas rassurant. Oh, génial, notre caisse de vivres. Ah, c'est... évidemment, c'est vide. J'y pense, c'est peut-être Sam qui a tout pris. Ouais. Alors, par où? Par la gauche. Faut voir le côté positif, je ne peux plus rien perdre. À part ma vie. Je vais me parler, c'est le premier signe de la folie. Il reste positif quand même. Bordel. Ok. Oh merde. Ça va passer. Ça va passer. Bah dans ces conditions, t'as envie d'être au chaud. Avec un bon chocolat ou un bon café. Devant ta télé. Merde. Ouais non, dans un canapé avec. Avec un truc sur les genoux pour te tenir chaud. Bah alors,
Qu'est-ce qui t'a... Mais... D'accord, fallait pas que j'appuie sur sauter. C'était de ma faute. Bah, dès que j'appuie pour sauter, il y arrive pas, là. Il doit être fatigué, c'est pour ça. Ah, c'est pas mal fait, du coup, il faut lui laisser le temps. Si tu le brusques trop, il n'y arrive pas. Faut continuer. Ouais. Ouais, c'est cool, du coup, tu le... tu sens qu'il est diminué et que tu peux... Bah, qu'il galère, quoi. Attends, je veux juste par contre que tu mettes le pied en bas. Mince. Ah non. D'accord. On va y arriver. T'inquiète pas. On va prendre notre temps. Ah, tu vas te prendre de l'eau sur la tête. Allez. Le pauvre. Ouais, quand dans ces conditions, t'as envie d'abandonner, je pense. Sam. Allez, où est-ce que t'es? Merde. Mais là, dans d'autres jeux, tu serais à cet endroit-là, tu te ferais bon. Quand est-ce que je joue? Enfin, tu t'attends à ce qu'il y ait la cinématique? Et après, le jeu, il devient plus moche. Et là, non, ça y est, tu joues direct. Et ça, c'est pas mal. La transition... Justement, tu te poses la question, mais c'est bon, là, je peux jouer. Faut que j'arrive à atteindre cette montagne sinistre. Ouais, la montagne sinistre dont on parlait tout à l'heure. Il y a un truc fluo, là-haut. C'est bizarre, mais c'est un côté vachement reposant, là. Le mec qui s'endort encore une fois. Encore et encore. Il sent... Oh ! Il y a un caillou qui a pop. Et il s'endormit une fois de plus. Je viens de chercher. Donc là, passage, plateforme, exploration. J'espère qu'il lui arrivera un peu moins de dureté, de galère, ouais. Déjà, on le retrouve un peu plus en forme au niveau des déplacements. J'aurais peut-être dû aller en haut. Attendez, pourquoi je peux aller en haut, là? Pardon. Non, attends. Je veux que tu... Non. Ouais, comme ça. Ouais, je pouvais grimper, il doit y avoir peut-être un truc. Ah, j'ai compris. Mais je peux y aller d'ici. Normalement, ouais. Ouais, c'est ça qui est pas mal, c'est que t'as plusieurs chemins, des fois, pour aborder. Au final, ça revient au même, tu vas au même endroit. Mais chaque joueur qui fera l'aventure ne passera pas par le même itinéraire. Même si ça change pas énormément grand-chose, au final. Mais c'est cool. Là, je trouve ça... Même si on n'a pas... Voilà. Tout à l'heure, on avait un ciel bleu magnifique avec un truc paradisiaque et tout.
Mais là, je trouve ça également que ça a énormément son charme, quoi. Les couleurs et tout, comment c'est choisi. On voit loin, la mer est... Elle est de nouveau calme et tout. Et la couleur, vous voyez, de l'eau là-bas, elle est magnifique. Là, c'est super beau. Et je suis super bloqué. Ah, ok. Non, là, c'était sublime. Ouais, je peux aller par là. Par là. Par là. On peut utiliser le grappin. Et on peut également monter. Ouais, finalement, le grappin, là, il va pas me servir. C'est quoi qu'on voit? C'est le reflet de la lune ou du soleil dans l'eau? Étrange, ça. Bizarre. Voilà, il y a un autre grappin. Ok. Ouais, là, c'est bon. Là, il n'y a rien à ramasser. Et ce qui est cool du coup, c'est que c'est le même environnement, mais on l'a vu sous différentes météos. Et même si ça reste le même, bah il est complètement différent. Il a une... On le reconnaît presque... presque pas. Et ça, c'est bien. Attends, ouais. Pas mal. Plus on avance, plus ça s'éclaircit le temps, j'ai l'impression également. Ah oh. Il était quelque part par là-bas, c'est ça? Ouais. Ça doit être mieux. Ah. Oh non! Première mort. C'est bon. Oh punaise, je me suis dit non, je vais encore mourir. Parce qu'en fait, j'aurais dû descendre plus bas avec la corde pour avoir plus de sécurité et j'ai voulu faire encore le malin. Mais heureusement... Il s'est accroché. Mais monte. Petit scarabée. Ah, il y a un trésor là-bas. On va tenter de le récupérer si possible. Ouais, il était par là-bas et nous, faut qu'on aille par là, je suppose. Attends, t'étais où? Ah. C'est pas très rassurant. Pas de quartier pour les voleurs. C'est marrant venant de... d'un groupe de pirates. Mais du coup, ouais, c'est ce qu'ils disaient, ils avaient créé leur propre loi entre pirates. Et donc du coup, je suppose qu'ils punissaient quand même les pirates qui... bah, qui volaient. Donc ils ont vraiment instauré des règles entre eux. Mais non, il y a un trésor là-bas aussi maintenant. Bon, celui-là, je vais aller le chercher parce qu'il est pas bien loin. Et l'autre, ouais, il est... Mais je le vois. Attends, il était où l'autre? Je suis pas sûr que ça soit un trésor. C'est au niveau de l'eau, on y était à côté. Mais celui-là était juste là, ouais, c'est bon. Une chope? Ouais, une chope en bois. Pas mal.
Donc du coup, on va continuer. Chaque fois, je me dis, je vais être un peu juste, mais ça passe en fait. On va continuer notre petit parcours. Ouais. Ouais. Ok. J'ai dû manquer un truc. Attendez. Je vais pas être bloqué quand même. J'ai une petite idée. Faut peut-être aller tout en haut là-bas. On va voir ça. Parce que le chemin ne semble pas être disponible par là. Par l'extérieur. Moi ici j'y suis pas allé encore. Ah si. Ah j'ai compris. Ouais c'était ça, ok. Ok. Ouh. Le petit crabe. Une des jumelles, ouais. Une longue vue. Bon, je pense qu'on va s'arrêter bientôt. J'avance encore un tout petit peu et on va s'arrêter là pour cet épisode. Non. Ouais, par là plutôt. Oh. On retrouve de la verdure. Ah, un autre pirate. T'aurais pas vu passer un type par hasard? Plutôt grand, maigre et assez bête. Pour chercher un trésor de pirate. Ah, c'est pas de chance, hein. Ah. Un petit document à lire. Je vais faire pareil que d'habitude. Vous mettez pause et je vais le lire tout de suite. Tranquillement. Hop. Ouais. Donc un pirate qui préférait aller chercher un petit peu plus de monde et qui a quitté le groupe. Et voilà le résultat. Il voulait survivre. Il est mort. Mais on ne sait pas ce qui arrive au reste de l'équipage. C'est moi ou je peux grimper là? Ouais, ça doit être un cul-de-sac. Ok. Je me disais, j'ai trouvé un chemin secret les mecs. Mais en fait, c'est le chemin. Non mais même les textures et tout, regardez. C'est juste un mur devant nous. Avec de la mousse et tout, et je trouve ça super stylé. Ok. Salut mon pote. Essayer de grimper là-haut avec ses bottes. Ah ouais, il est mort en fait. Il est mort tout seul quoi. Enfin pas tout seul, mais je pensais qu'il avait été pendu par les autres pirates. Mais finalement, il s'est juste raté quoi. Je suis sûr que t'as pas besoin de ça. Yeah. Et comment je l'utilise? Ok. Ça se trouve, il y avait un truc à ramasser en bas. Attends. J'ai peut-être pas envie de le mettre là, ouais, plutôt ici. Ouais. Ça marche. Pardon. Pardon encore. Ouais. Attends. Si je fais ça là. Comme ça, ouais c'est parfait. Mais, ah ouais, en haut. Maintenant là. Ici. Ok. Ouais on peut faire comme... Non j'allais dire, comme dans Tomb Raider. C'est sauter et le pointer, le planter pendant qu'on saute. Ouais le soleil se lève. Bah nous je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouvera bah ici. Demain à 19h. Au même endroit, pour la continuité de la recherche du trésor et de notre frère. Merci encore une fois à tous. Bah,
pour les moments qu'on partage ensemble. C'est vachement cool, ça me plaît beaucoup. Je le dis à chaque épisode, mais c'est important que je vous le dise à chaque fois, parce que vous êtes toujours super cool. Donc merci à tous, rendez-vous demain pour la conquête de notre trésor. Ciao, mince. Ciao. Bye bye.